Depuis plusieurs mois, Simon Castaldi figure parmi les petits nouveaux de la télé-réalité qui secoue le petit écran. Aperçu dans Les Princes et les Princesses de l'Amour, puis dans Objectif, Reste du Monde, le fils de Benjamin Castaldi s'est par la suite affirmé dans Les Marseillais versus Le Reste du Monde, d'où il a été exclu, promettant d'apparaître par la suite dans bien d'autres émissions, lui qui file notamment Le Parfait Amour avec Adixia. Toutefois, le parcours du jeune homme de 21 ans ne s'est pas fait sans terribles révélations dans ce monde où règne une certaine omerta à l'égard de quelques candidats, comme l'a récemment dévoilé Alix Desmoineaux. Retirée du monde de la télé-réalité, la jeune femme a récemment évoqué une vidéo dans laquelle elle assure avoir vu un candidat, actif à la télévision, essayer de mettre son truc dans la bouche d'une jeune fille de 16 ans. Elle pleure. Il la tient par les cheveux et elle se débat. Il la jette sur le lit et lui dit, « Allez, t'es pas marrante, je vais voir ta copine. » Une vidéo dont plusieurs candidats ont entendu parler, dont Simon Castaldi, comme l'a révélé son père dans Touche pas à mon poste. Il mène à parler, il était absolument choqué, a ainsi confié Benjamin Castaldi, expliquant que si est pour cela qu'il s'est révolté contre la personne dont on a parlé. Simon Castaldi en colère et outré par cette affaire, il était très en colère, mais ça l'a surtout traumatisé, car si cette histoire est avérée, il y a plusieurs problèmes à différents niveaux, a-t-il précisé, évoquant notamment les candidats qui étaient au courant et qui n'ont pas parlé. Je pense qu'il faut traiter cette histoire globalement. Et concernant Simon, qui a fait Les Marseillais versus Le Reste du Monde, oui, il était au courant, oui, il était en colère et oui, il était choqué et outré, ça je confirme totalement les propos d'Alix, a assuré Benjamin Castaldi, d'habitude peu bavard sur la carrière de son fils Simon dans la télé-réalité, qui a récemment été victime d'un accident domestique. Loading DJ.